Si, je peux faire mon kill. Oh oui. Les amis, bien le bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, perso, ça va pec. Comme d'hab les potes, je suis content de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que vous l'avez vu dans le titre et ne serait-ce que la miniature, what the fuck. Aujourd'hui les amis, on va se faire des défis que vous m'avez balancés dans les commentaires des dernières vidéos. On va s'amuser, on va s'enjailler, on va se faire plaisir, mais aussi on va perdre des trophées, ça je le sens. Je fais d'ailleurs un big up à mon petit Pyrsofasque qui était juste là, juste avant, au début de l'intro de la vidéo. Je lui fais des bisous. Donc, on va faire quelque chose aujourd'hui. Vous avez pu voir dans la miniature, j'ai répertorié 4 défis. Le premier étant de jouer avec les mains croisées, le deuxième étant de jouer avec une seule main, le troisième étant de jouer avec Piper en solo survivant, et le quatrième étant tout simplement de prendre Poco et de ne prendre aucune caisse et d'essayer bien évidemment de faire top 1. Vous avez été nombreux à me poser ce défi d'ailleurs, de prendre un perso, de faire top 1 et de ne prendre aucune caisse. Après les persos ils varient selon vos commentaires, mais bon voilà, c'était plutôt drôle. Donc bon, proposez-moi vos défis dans les commentaires les amis, les plus likés seront sélectionnés probablement pour la prochaine vidéo ou l'une des prochaines vidéos, pas forcément tout de suite après, on verra bien. Mais en tout cas je sens que ça annonce du lourd, du très très lourd, donc j'espère que vous allez kiffer cette vidéo les amis. Si c'est le cas, dites le moi dans l'espace commentaire avec le pouce bleu, le partage et bien évidemment abonnez-vous. On est 15 362, c'est marqué là-haut. Donc un grand merci à vous tous les amis, ça me fait extrêmement plaisir, merci de votre soutien. Et nous on va attaquer directos par tout simplement essayer de jouer avec une seule main. Je sais absolument pas comment je vais pouvoir faire pour vous montrer ça, mais je pense que je vais tenir le téléphone comme ça en hauteur et je vais essayer de jouer comme ça avec les deux doigts. Ou alors tout simplement encore mieux, je pose le téléphone comme ça sur le socle et je joue avec un doigt. Juste je tiens le socle en hauteur comme ça au moins je peux pouvoir jouer comme il faut quand même au minimum. C'est au moins ça le défi. Donc bon, on va attaquer directos je pense. Je vais prendre qui? Pour jouer à une seule main, qui c'est que je peux prendre? Un perso pas trop compliqué quand même. Et qui n'est pas trop haut non plus, hein, putain. Bah tu sais quoi d'ailleurs, je vais prendre Billy. Hop là, voilà, je vais prendre Billy qui est pour l'instant le perso le plus bas que j'ai. Je vais partir en survivant et on va attaquer directement. Voilà Billy qui est pour voir 8 sur mon petit, sur mon gros compte, pardon, parce que sur mon petit compte je l'ai pas encore débloqué. Bien évidemment, n'oublie pas un tour en pouce bleu si jamais tu aimes ces défis et si jamais tu comptes me proposer des défis. N'hésitez pas à me lâcher des pouces bleus pour ça, hein, bien évidemment, ça fait plaisir. Alors il y a un bar tabac à gauche. Putain, c'est compliqué, vraiment c'est compliqué quand même de jouer à une seule main, parce que le problème c'est qu'il faut arriver à se synchroniser et ça c'est pas toujours facile parce que du coup je joue avec mon petit doigt. Avec mon index et mon petit doigt les gars. Oh merde, putain c'est quoi ce délire quoi, c'est incroyable. Bon je vais éviter de le fâcher lui, je vais éviter de le fâcher quand même. Ce serait un peu con, même si je vais me rapprocher de lui pour essayer de tenter le kill quand même, hein. Voilà, qui ne tente rien n'a rien. Ah je vais fuir, je vais fuir, je vais fuir, je vais mourir. Bon pour l'instant ça va, ça se passe bien. Pour l'instant ça va, il a fui le con là, le bar tabac, il est là-haut. C'est vraiment du grand n'importe quoi je vous jure. Est-ce que je peux pas faire comme ça avec ma main, voilà, histoire de poser ma main en dessous comme ça. Oh putain il y a un boule. Non non non, je vais mettre ma main comme ça, j'étais bien comme il faut. Le boule, regarde le boule, regarde le boule, regarde le boule, regarde le boule. Oh c'est compliqué, oh c'est compliqué, oh c'est compliqué, mais j'ai fait un kill. Oh oui j'ai fait un double kill même, putain de merde, j'ai même pas capté, j'ai fait un double kill. Hop là, et non je vais mourir. Oh fais chier, mais aussi c'est compliqué de jouer deux doigts comme ça. Snap. Moins 4. Oh putain Billy non. Ah dur, ah oh, c'est la folie, c'est n'importe quoi de jouer à un seul doigt. Enfin de jouer avec deux doigts quoi, de jouer avec une main. Je vais essayer de relancer directement pour au moins voir si oui ou non je peux faire quelque chose de bien, tu vois, parce que là je me dis je vais pas me contenter d'un top 7 ou top 8, tu vois. Ce serait littéralement ridicule, donc on va quand même essayer de réattaquer directos. On va essayer de se prendre au moins les deux boîtes la plus rapidement que ça quand même, histoire de faire quand même assez vite. Ce coup-ci je vais essayer d'optimiser mon placement des doigts pour pouvoir faire en sorte que je puisse jouer bien plus facilement. Attention, il y a la Shelly là-haut qui nous a... Ouais non, j'ai cru qu'elle allait nous embêter. Mais non, finalement ça va, elle nous a rien fait, cette connasse. On est plutôt bien. Là-bas, il y a un petit. J'allais dire un petit boule, mais non, pas du tout. C'est un simple beau, ouais. On va faire quand même attention à lui. Si je reçois des messages en même temps que je tourne, ça va pas le faire. Attention, lui, je lui ai mis des dégâts quand même. Je lui ai mis des petits dégâts. Je vais attendre qu'il vienne sur moi. Hop, je l'ai réussi à le toucher encore une fois. Et bim, encore un kill. Bim, nickel. Là, j'ulti, comme ça au moins, je fais un peu de dégâts peut-être. Voilà. Oh, j'ai fait encore un kill. Oh, je me suis gavé. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi quand même à faire encore un kill. On monte, on monte, on monte. Attention, on va essayer de se cacher. Voilà. Oh, je fais attention parce que ça se trouve, il y a du monde. Étant donné qu'il y a 7 brawlers, il risque d'y avoir encore du monde dans les bushs. Je vais redescendre un petit peu, voilà, je vais essayer de me cacher juste là, nickel. Ok, 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 il y a un Colt en bas, il y a un Beau à droite, on va faire gaffe, on va faire vraiment gaffe. Il y a une Shelly à droite aussi, putain, c'est compliqué tout ça. Je rappelle que je joue toujours à une main, je vais vous montrer ça quand même, attention. Oh putain, attention, 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 ça va partir sur un kill ou pas? Non, pas du tout, ça va partir sur l'esquive, surtout, oui. Ah, fake, non. Le top 6, ridicule. Putain, j'ai même pas perdu de trophée pour le coup, ça c'est bien. Ok, bon, ouais, il était un peu compliqué quand même celui-là, parce qu'au final j'ai perdu des trophées. J'ai perdu 4 trophées et là j'ai perdu 0, donc bon, c'est au moins ça, c'est déjà mieux que rien mon pote, mais bon, ouais, voilà, écoute, c'est pas ouf. J'en profite d'être à ce moment-là de la vidéo les amis pour vous dire simplement de me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez mon Instagram, mon Twitter et mon Snapchat en description les potes. Vous avez aussi mon Twitter qui est juste là, et mon Snapchat qui est juste là. Donc surtout Instagram et surtout Twitter, hein, c'est le plus important. Snapchat en ce moment je l'utilise vraiment pas
crois beaucoup. Donc si vous voulez être au courant de toutes les nouveautés, mais vraiment tout ce que je dis, c'est sur Twitter principalement. Et si vous n'avez pas Twitter, ça prend 2 minutes à créer un petit compte, ne vous inquiétez pas. Bon, on va se changer un petit peu les idées, hein, avant de se retaper une défaite dans la foulée. On va directement partir avec Piper en showdown, hein. Comme je vous l'avais dit, il fallait que je fasse Piper en survivant solo. Bah écoute, ça passe encore. Surtout, mais bon, dans cette map, c'est pas le meilleur des brawlers, hein, mais on va quand même attaquer avec elle. Donc ça, c'est le deuxième défi qu'on m'a donné, hein, voilà. Donc je vais essayer de le faire directement. On va récupérer peut-être la première box qui se trouve là-haut. Putain, on va éviter d'auto-attaque quand même. Hop là, une première boîte, d'accord, nickel. C'est déjà ça de prix. Moi, je suis preneur, mon ami. Attention, là-haut, il y a un dynamite que je peux buter. Je peux buter le dynamite. Ah bon, il l'a buté. Le dynamite, il aura rien compris. Oh, 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 le dynamite ici, là aussi. Il faut qu'il comprenne rien du tout, ce bâtard. Je vais faire attention à mon cul quand même parce que j'étais un peu en PLS là où j'étais. On va directement récupérer la box ici que j'ai laissé au final toute seule. Là-haut, il y a un mortis, mon pote. Le mortis, je vais essayer de lui mettre la misère. Ou quoi que vite. Attention, le mortis qui a plus de vie parce que j'ai réussi à le taper et à lui faire bobo. Attention, le mortis qui a plus de vie. Oh oui, notre ulti qui a fait mal. Notre ulti qui a fait plaisir. Qui a fait vraiment zizir. Attention, on l'a touché encore une fois. Oh, il est vraiment en PLS là, le mortis. Il est vraiment en PLS. Attention, je vais essayer de me reculer un petit peu de lui parce que bah, au plus où il est près de moi, au plus moi je suis dans la merde, voilà, comme ceci actuellement. Oh putain, il m'a niqué. Ah, je l'ai vraiment cherché en même temps, je l'ai vraiment vraiment cherché. Ça fait du moins 2. Ah merde. Tu sais quoi, je vais rester là-dedans, c'est pas grave. Je vais rester sur mon moins 2 avec elle, comme ça au moins j'évite de la descendre de trop parce que pour l'instant elle est plutôt bien encore en termes de trophées. Et vous m'avez proposé un autre défi du coup, c'était de prendre Poco et tuer tout le monde en fait sans les caisses, voilà tout simplement. Donc sans prendre une seule caisse. Donc je vais faire du kill, hein. Pour me donner un tout petit peu plus de défis, hein, quand même, je vais essayer de ne pas récupérer l'énergie des mecs que je bute, hein, même si bon, ne pas récupérer l'énergie des gens que je bute, ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, on peut quand même essayer, ça coûte rien. Et si jamais je viens sans faire exprès à récupérer une énergie, bah c'est pas grave, écoute, hein, mais ce serait l'énergie seulement de ceux que j'arrive à tuer, pas d'autres personnes. Alors là, je suis vraiment mal tombé quand même parce que je suis tombé avec un boulet et un primo. Je vais éviter de faire ça. C'est go du suicide, ça. C'est go au suicide. Oh, il y a quelqu'un là, juste là. Attention, le petit mortis qui est juste ici. Là, on va taper le mortis. Ok, on lui a fait. Oh putain, on lui fait tellement pas de dégâts, c'est incroyable. Oh non, il y a une Shelly, Vas-y, j'utilise au moins mon ulti, putain, pour me heal. Putain, c'est incroyable. Il reste 8 personnes, mais ils sont tous en train de se cacher comme des putes, j'ai l'impression. Eh ben, tu sais quoi, je vais retourner là-bas. Je vais faire mon petit coucou à la Shelly. Là, je vais aller taper la Shelly juste ici. Ah non, c'est même pas une Shelly, c'est une putain de Rosa en plus. Mais ça va, pour l'instant, je la tape. Pour l'instant, j'arrive à la taper. Ben, pour l'instant, j'arrive plus du tout à la toucher. Même, j'arrive plus à la toucher. Hop, attention, la Rosa. On va essayer d'infliger quelques petits dégâts comme ça. On va essayer de la toucher tranquillement, salement, bien comme il faut, mon pote. Attention, c'est parti pour infliger des dégâts à la Rosa. Hop là, oui. Peut-être mon premier kill sans énergie. Oh mon, peut-être mon double kill sans énergie. Ok, merde, bah j'ai récupéré 2 trucs. C'est pas trop grave. Écoute, c'est pas vraiment grave. Ici, j'ai réussi à faire un autre kill. Attention, il faut que j'aille m'occuper du dynamite qui est juste là, peut-être. Non, bah, c'est un peu dangereux le dynamite. Il est à 6 d'énergie quand même. C'est pas ouf du tout. Alors lui, là, le L primo, je sais pas, mais il me veut du mal. Ça, c'est clair et net. Il me veut clairement du mal. Alors attention, les mecs qui team comme ça, c'est vraiment des pires. Putain de merde, fait chier. Un top 6 à cause de gars qui team, quoi, c'est incroyable. Moins un trophée sur mon petit Poco. Poco Sérénade. C'est dommage quand même, j'aurais pu arriver à faire quelque chose de beau, hein, de bien, mais bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Bon, par contre, maintenant, c'est là que vient le défi le plus compliqué, le plus complexe de tous les défis que vous m'avez balancé pour l'instant, c'est de jouer avec les mains croisées. Vous avez été aussi nombreux à me proposer de jouer tout simplement avec les pieds et les yeux bandés, mais ça, c'est un peu n'importe quoi, faut y arriver. Les yeux bandés, je pourrais essayer de le faire. Peut-être, mais tout seul, ça risque d'être compliqué. Donc bon, on va quand même essayer de jouer avec les mains croisées. Alors, pour jouer avec les mains croisées comme ça, ça risque d'être un peu compliqué, je pense, quoique ça peut se faire. C'est n'importe quoi. C'était soit je me mettais comme ça, soit je me mettais carrément comme ça. Mais ça, c'est encore plus n'importe quoi, parce que vous me voyez même plus. Donc bon, je vais me mettre comme ça, et je vais prendre qui, putain. C'est quoi, je vais garder Billy, je vais retourner en survivant. Hop là, je vais me mettre comme ça, les mains croisées, je vous rassure, c'est bien croisé. C'est du n'importe quoi, bordel. Allez, attention, ça va être parti. Ça va être compliqué aussi. Oh putain, je tremble un peu. C'est surtout que je n'ai aucune visibilité, putain, sur ce qui se passe dans le jeu. Non. Oh bordel de merde, c'est pas facile. Je vais devoir auto-attaque comme la pire des merdes, quoi. C'est incroyable. Ah, j'ai eu un bug. Mais non, mais je vais me faire buter comme ça, moi. Ben putain, mais allez me faire foutre. Je me suis fait focus comme une putain de sourasse. C'est incroyable. Et allez, le moins 6 trophées sur Billy. Vas-y, c'est parti, je m'en fous, je relance. Bon, je reste avec les mains croisées, hein, comme vous avez pu le voir. Attention, on va descendre. Oh putain, ça va être compliqué. Mais j'ai l'impression de... Il s'est chaud. Encore une Shelly qui va me focus. Non, mais attends, tu vas te casser de là, toi, espèce de connasse. Mais putain, maintenant c'est un mortis, quoi. Sérieux. Ça me casse les couilles. Encore un moins 6 trophées, quoi, c'est n'importe quoi. Eh, je lâche vraiment pas l'affaire, moi, je suis un mec comme ça. Je relance directement. Alors, on va directement se rendre ici, juste à l'évidence, déjà. On va se rendre à l'évidence, hein. C'est pas facile du tout, hein. Surtout quand je me fais foutrement focus par des enfoirés de mort, là. Viens ici, toi, viens ici. Je peux faire mon kill. Oh oui. Oh, mon premier kill avec les mains croisées. C'est n'importe quoi. Hop là, on ulti et on se casse. On fait très très attention quand même, parce qu'on n'a pas envie de mourir. Non plus, on fait vraiment gaffe à ça. Oh, bordel de merde, je vais mourir. Oh non, je vais peut-être...
Putain, j'ai cru que j'allais pouvoir me le faire, mais non. Oh, franchement, quand je me fais pas de top 10, je me fais un top 9. C'est pareil, c'est le même délire. Non mais allô. Il est où le problème? Cherche le problème, mon pote. Ah, j'y crois pas, c'est vraiment une putain de douille. Je m'en fous, mais les prochaines fois, il faudra absolument que j'arrive à me venger de cette main croisée, là, de ces mains croisées. Bombardez-moi l'espace de pouces bleus, bon, déjà pour mes trophées, hein, s'il te plaît. J'en ai perdu une trentaine, je crois. Et de deux, balance-moi un maximum de likes pour que je continue à faire des vidéos comme ça. Même parce que je perds des trophées, quand même, il faut me soutenir. Et n'oublie pas de t'abonner, bien évidemment, ça me fait vraiment plaisir. Ça montre à quel point tu es présent, tu es actif, tu me soutiens, tout ça, donc merci infiniment, les amis. Moi, je vous dis à demain, 17h30 pour la nouvelle vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, le partage et l'abonnement. Et prenez soin de vous, famille. C'était Tim. Ciao, ciao.